comme on se retrouve. Moi, j'ai jamais été riche. Ouais, la vie d'artiste. Bon, c'est vrai, les gens, du coup, ils peuvent avoir accès à notre nudité. Ouais, faut pas. Non, mais c'est juste pour voir comment ça t'a gueule. Après au moins une dizaine d'échecs au code de la route, je viens enfin d'avoir. Déjà, mais la scène chauffe, Yaya, ouais. Oui. Donc, on a marre. Est-ce que. Il faut que je vous parle de cette chose qui me ronge et qui m'empêche de vivre au quotidien. C'est le bruit, c'est le bruit. Là, 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 c'est le bruit du voyage. Voilà, et on n'avait jamais vu qu'il y avait la tour Eiffel juste là. Ok, elle a jamais vu. On dirait un dessin. Je pense c'est mieux on fait crayon par l'anglais parce ouais. Que là, vraiment, les deux, on dirait vraiment des gaouches. The Apple Tower. C'est ma timidité. On est resté dans un truc très simple. Petit t-shirt blanc, petit jean un peu large avec des baskets blancs. Manque d'audace et de vigueur dans l'action ou la pensée. Mais je vais mettre la troisième maintenant. Non, attendez. Non. Vraiment. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire, Yamaïve? La chef du jour va concourser. Le truc en fait c'est que j'ai avoir du mal à aller vers les personnes que je ne connais pas ou avec qui je suis pas si intime. Mais attends, déjà montre comment tu freines. Là vas-y freine maintenant. Je voulais faire un prank au petit. Je vais faire le prank de la fin du monde. Une chef vraiment. Voilà, donc là t'as eu quoi moi? Donc là tu veux te garer comment? En marche avant, en marche arrière? Je vais me garer en épi. Ça va être un peu difficile. Mais je rigolais, mais t'as pas compris la blague en fait. Vous savez le prank où il y a la télé qui s'allume et qui donne un message et juste pour voir leur réaction. Donc vas-y, je vais essayer de faire ça. Mesdames, messieurs, on participe aujourd'hui à un jeu concours. Pas tout le monde a besoin de crème fraîche, de champignons de Paris, ça tombe bien, on est à Paris. Ouais. En fait, j'attends juste que ce soit les autres qui fassent le premier pas vers moi, parce que si c'est moi qui fais le premier pas vers eux... Oui, c'est juste pour voir en fait. J'ai calculé autour de 10. Ah, il a calculé le tour, 1 minute 10. Ah. Merci. Merci. On n'a pas calculé. Dis-moi, c'est quoi tu... Bah... Ouais, c'est mieux de les appliquer quoi. Oui, merci. Tu vois pourquoi je suis comme ça avant? Où sont tirées les recettes de vos plats, mademoiselle? Les recettes de mes plats sont tirées de là-dedans. Là-dedans, tout vient de là-dedans. Là-dedans, parce qu'il y a un singe qui tapait des maracas. Ah, il a l'air plutôt bon, les fans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, au moins vous savez que maintenant, je sais jouer quelques notes. Il y a quoi là-dedans? En fait, c'est quoi ça, c'est qu'on va ouvrir le livre. Pourquoi m'interroge? Elle, attendez. Pourquoi m'interroge votre collègue là? Eh, mais c'est parti, les enfants, il va! Mais qu'est-ce que je me prends la tête avec toi? Non, là, la troisième, tu peux pas. Ah, tu peux. Traîne. Embraille. Embraille et traîne. Yam! Putain, elle est pas tes sortes pour moi, non, faut pas qu'elle sorte pour moi là. Et pourquoi ça? J'avais oublié qu'il y avait le tableau de trucs. Ah, alors. Moi je faisais selon mon ressenti. Oui, selon les bruits de voiture. Bon ben voilà, au moins vous serez au courant que je suis timide et c'est pour ça que je vous parle pas et que parfois ben je dis rien. J'ai fait comme le cosmo tranquille. Mais je suis gentil. Et du coup on va essayer quelques vêtements. Try and on. C'est un accent peut-être un peu plus anglophone, je sais pas. Voilà, là ça change, hein. Là c'est plus la petite clocharde qu'on voyait hier, hein. Oh oui, par contre j'ai pas précisé, ma timidité s'en va dès lors que je suis avec Nono. Et après Concorde, Voilà. On va aller sur les champs et aux Champs-Élysées, ta-la-ta-la-ta. Et si je me mets là, là? Ah, y'a de la lumière, hein. Et on descend notre bande de Lorette. Loretta. Et bah, on voit sur aujourd'hui avec les vidéos. Vous êtes pas prêts, les mecs? C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme un drôle d'étouffer. Non, en vrai, on était dans le métro, mais comme on est deux idiotes. Elle m'a tiré de la voiture, je suis choquée. Attends-moi. Gaïba. Gaïba. On a manqué l'arrêt. Quoi? Un petit pilote qu'on a prévu de faire là? De la bœuf. Et oui, un vrai entraînement de boxe. C'est un genre de conductrice, tu vois. Neighborhood, that's me.
Faut pas me craser. Hein. Bah on est perdu encore une fois. Paris de merde. Elle va taper un match déjà. Monte la dégaine, monte la dégaine. Et bien là c'est sûr qu'elle marque pas. Et elle nous fait pas gagner. Elle veut plus avec son fils. Oui, c'est pour mieux voir. Attends. Ah oui. On s'est retrouvé avec le ton Yann. Là tu serais rentré dans ma voiture. Ah merde. Putain. Et sinon j'ai fait ta box depuis combien de temps? J'ai tant de encore. Elle va mettre un point mort. D'accord, et je suppose que t'as pas encore commencé les compètes. Non, pas encore, mais bientôt. Hein. Et tu peux aller faire tes courses. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Et tu fais quel type de box? Tu pratiques? T'as beaucoup de problèmes. Ah. Avec quel argent? Je vais me filmer pour vous. Tu peux me filmer? Parce qu'en fait, on voyait pas bien. Toutes ces vacances, c'était ça ma vie.